suis pas confiant, là. Mais quelle surprise! Va donc voir ailleurs si j'y suis. Qu'est-ce que c'est? C'est qui? Un orignal perdu. Je suis vraiment désolé. Mon frère n'a pas de manière. Pas remarqué. Beaucoup de tête non plus. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mon chef m'a envoyé chercher quoi, les descendants de la prêtresse Maniwapiquan et de Bono Carol pour s'entretenir avec eux dans notre village. Qu'est-ce que tu penses? Non! Il m'a insulté, lui. C'est ça, hein? Non. Pas avoir de tête chez son peuple. Je peux le coller, Astérix. Non. Ça veut dire que t'es un homme de cœur. Non. Oh. Oh, bon. J'aime mieux ça. Tant mieux. On va dire. Un village amérindien. Salut, les amérindiens. Je suis Shimashk, chef de la tribu des Inuits. Shimashk. Notre tribu veut savoir si vous avez rencontré ce que le peuple appelle les Maïkans. Hein? C'est un peuple ancien, prenant la forme de loup marchant à deux pattes. Fantastique. J'ai dû massacrer deux bonnes douzaines de ces oeufs poilus-là. Rien que depuis dimanche dernier. On va passer en tête au plus moyen. Moi aussi, j'exagère. Ne les confondez pas avec de simples loups-garous. Sachez que les Maïkans ne sont pas sensibles aux prières de vos chamans blancs, mais sont vulnérables aux armes d'argent. Qu'est-ce que c'est? Ah, aussi, bon. Fantastique. Regardez mais ceci. C'est l'amulette de Mechu, le grand aigle, qui peut changer la direction du vent. Puisque les Maïkans ne sont pas attirés par les carcasses de moutons, vous devrez tourner le vent et vous servir de votre propre odeur pour les leurrer dans vos pièges. Oh mais tu ne vas même pas leur remettre l'amulette. Mais je te mets chez lettre. Prenez-en grand soin. Mal prendre, la mala. Mais pourquoi ils nous en veulent? On leur a rien fait aux Maïkans. Ils croient que vous êtes en partie responsable des malheurs qui s'abattent sur nous. Que c'est vous qui attirez les loups-garous. Selon eux, si vous disparaissez, le mal s'en ira. Fantastique. Vous en savez déjà beaucoup trop. Partez. Trop sympathique, le grand sorcier. Hey, le sorcier. Merci pour l'information et l'amulette. Mais je suis dans tes lettres. C'est-tu clair? Yay! La croix de Chamar, oui. Donne-moi la croix de chemin. La croix de chemin. Oui! Pour activer la croix de chemin, vous devez prier près de celle-ci en appuyant sur E. Lorsqu'elle est activée, elle fera des dommages continus aux créatures diaboliques environnantes pour la prochaine minute. Fantastique, ça! Ah! C'est comme ça qu'on les fait suer, c'est exactement! Maintenant! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je vais aller voir ce qu'il y a là, machetema. Le tipi du chef. Oh, shmesh. On est tourné à la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans le tipi du chef? Oh, shmesh. Salut, shmesh. Ouh! Plus 10 d'endurance permanent. Ah, c'est pas pire ça. Le FI. Qu'est-ce que c'est quoi le FI? Une achète en argent. Fantasticus! Des balles d'argent. Comment ça vous avez des balles d'argent, vous autres? Explique-moi ça, toi, Ushtimistmik. Parce que, non, je comprends comme pas, là. Vous êtes des Amérindiens. L'argent, c'est pas comme dans les arbres que ça pousse. Moi, c'est vraiment dans les arbres que ça pousse. Est-ce que l'argent pousse dans des arbres? Si vous répondez oui, A ou B, on va refaire ça. Est-ce que l'argent pousse dans les arbres? A? Non. B? Non! C'est... Non! La réponse était toutes ces réponses. Espèce de ch'tumouchnu. J'en ai rien à foutre. Je n'ai pas d'argent. Donne-moi ça. Pis ça. C'est quoi, Sophie? Une pierre donnée que c'est allé malgré une intimidation autour du porteur. Là, jusqu'à effrayer le plus... Ah! Plus 10 de FI permanent. Je veux ça. Donne-moi ça. Et ça servait sa cartine. C'est d'endurance permanent. Je veux ça, donne-moi ça. Je m'en fous, là, c'est des affaires permanentes. Bon, on retourne à la maison. Ça a coûté cher. Bon, ça coûte cher, ça. Tant mieux. Non. Bon, tu vas où, toi? T'es lettre, je t'aime pas. Wouh, printemaker! Je trippe fort. Bon, toi! Croix de chemin. Fatigué. Comment je fais pour enlever les maudites cartes, là?
Je veux enlever les cartes fatigantes. Que. La merde! Bon. Toi. Non! Va-t'en. Là. Bon, avec deux. Tu vas aller où, toi? Toi, tu vas où? Tu vas là. Toi, tu vas où? Tu vas là. Toi, tu vas où? Quoi? Ok, parce qu'en plus, il y a des grands loups. Fantastique. Fantastique. Wow! Ok, j'aime ça, moi! J'aime ça, hey, j'aime ça, hey, j'aime ça, j'aime ça longtemps. Tu sais, aimer ça de même, là, tu créerais pas à ça. Tu créerais pas à ça à quel point j'aime ça. Bon! Comment c'est qu'on va patenter ça? Bon, je vous reviens après que j'ai réfléchi à ma stratégie. Ok! Bon! Stratégie! Alors, comme vous avez pu voir, avant, quand je fasse le petit coupage, j'avais décidé de mettre un truc là, repartir les fatigants, les lettres, les gros escarpins. Bon, là. Je vais mettre mon truc, puis je vais le casser à la face. Simple. Suite à ça. La vague 2, c'est elle qui est la plus importante, c'est elle que j'ai faite de l'élaboration. Pour lui. J'ai mis deux pièges. Ils font maintenant 10 points de dégâts parce que je les ai augmentés. Fait qu'ils font des dégâts. Puis ici, j'ai mis une bombe pour voir si je suis capable de me rendre. En espérance. J'ai aussi mis, parce qu'il y a 5 cossins là, j'ai mis un truc, puis ça devrait normalement te les tuer, fait que je m'occuperai pas d'eux autres. Vu que le vent pointe par en bas, j'ai vraiment un avantage. Alors, après avoir tué eux autres, je vais me diriger vers lui, qui devrait normalement être en dessous de ce truc là, et je vais tirer ce truc pour que ça y tombe dessus, et que ça y fasse mal. De préférence. Puis ensuite, je vais aller le axe foué! Simple. Ensuite, je vais me diriger vers ici. Bon, en espérant. Bon, je vais juste faire une petite affaire vite avant. Mettre ça là. Ça n'a pas marché. Bon, la marre. C'est la marre. Parce que toi, tu vas aller vite. Fait qu'ensuite, je vais me diriger... je vais prendre un mirador et me diriger rapidement vers là. Ce qui devrait me laisser le temps, normalement, lui devrait me détecter. En tout cas, on va essayer de faire de notre mieux. Bon, fait qu'on va prendre le mirador et se diriger vers lui pour casser la face à lui. Je sais pas trop comment je vais réussir à faire toutes mes affaires, là. Mais mon plan semble fonctionner un peu dans ma tête. Bon, on va essayer ça, go. Au pire, on réussira pas. Au plus grave que ça, on va réessayer. Et on est là pour essayer. Et pour ça, bien, avec Obella, ça va encore mieux. Parce que Obella, il est là pour nous. Obella, t'es capable, Obella. Nous avons demandé vous partir et vous rester. Tout à fait. Pourquoi? Parce que moi, quand c'est face toi. Notre sœur est malade, puis on peut pas partir d'ici. Qu'est-ce que tu penses de vous mon bien tonton? Vous partir ou mourir. Quoi penser ta de dernière mon... dernière chance à toi aussi. Tu quittes la place de ton plein gré, ou encore je te ramène à ta mère un petit paquet de viande hachée ficelé par la queue. Avec ta choisis queue. Choisis quoi, l'ami? Je choisis le paquet de viande, fais-le. L'œuf de Michou. Fantastique. Vous disposez maintenant d'un outil magique formidable pour contrôler la direction du vent, l'œuf de Michou. Pour l'activer, appuyez sur la touche correspondante du clavier. Yeah. Utilisez ensuite la souris pour orienter le vent dans la direction désirée. Lorsque le vent se trouve dans la direction voulue, vous n'avez qu'à déplacer votre personnage pour rompre votre contrôle sur celui-ci. Ok, fait que t'es... Ben là, oui, mais là, c'est parce que c'est le fun d'avoir ça! J'aurais pas pu le savoir avant! Hein? T'en penses quoi de ça? Hein? Balle d'argent. Allez, vous êtes ma bandelette. Je vous attends à ma bandelette. Je te cite ma bandelette. Ça dure juste une minute, fait que je vais être patient. Allô? Venez-vous-en. Je vous attends. Go! C'est parti! Tiens-toi! C'est vrai, ils sont résistants aux affaires d'argent, eux autres. Ils sont résistants aux affaires d'argent. J'ai pas pensé à mon affaire! En moins, qu'est-ce que tu penses de ma hache? T'en
dans ta face! Hein? Hein? Oh! Ah, ça va pas si bien que ça, hein? Ouais, ça c'est pas cool, ça? Ok, j'aime pas ça, ça. C'est parce que, bon, ben, ça va pas bien, pas en tout. Finis-les! Ah, il est pas mort! Non, un de moins. Hey, ça va pas bien longtemps, là. C'est parce que je vais crever, là. Je vais crever, c'est vraiment calon, hein. Fini, là. Je vais tomber, ça se fait pas. J'ai pas gagné, je fais ce pas assez fort. Bon, c'est fini. Rien, maudit qui sont tannants. Fatiguant du Géribois. Tu vois? Pourquoi je crève pas? Bon, finalement. Monde. Ouais, c'est correct! On recommence ça. Ils sont vraiment fatigants, eux autres. Mais vraiment fatigants. Pas tuable. Bon, c'est correct. J'ai compris. Je peux pas les tuer avec ça. Fait que sais-tu quoi? On va remettre ça. Ici. On va mon bal d'argent, ça va faire la job, on va dire. Bon, je faisais quoi là? C'est tard que je t'aide un peu, là. Je vais passer à mon affaire un peu là avant de continuer ça là. Ok, bon, on aurait essayé d'autres choses. J'ai décidé de placer ça là et ça là. Pourquoi? Parce qu'on veut utiliser l'œuf pour essayer d'attirer le plus de monde possible ici. Après qu'eux autres aient décidé d'aller là, parce que je veux pas les arrêter non plus, je suis pas con non plus. Parce que je vais quand même aller tirer sur lui, mais je vais essayer d'attirer tous eux autres vers ici pour faire exploser ça. Je sais pas trop comment je vais faire ça, mais on va essayer. Je sais switcher ma hache comme je vous l'ai dit parce que j'étais quand même un petit peu tanné. Fait qu'on va faire ça, mais mieux! Comme si c'était rien passé. Tout est beau. Tout est beau. C'est beau. C'est correct. Je sais c'est quoi. Je m'en fous. À l'attaque. Bon, là, je les atteins. Oh, que je les atteins. Je les atteins. Check-moi ben aller là. Check ben. Oh, il passe à côté! Venez-vous ici. Ah, fine! Jeez! J'ai dit. Go! Non! Ah ouais! Da-da-da-da boom! We'll be right back.
squaw-pied de marde, toi, tu te survivras pas longtemps pour en parler. Hey, c'est quoi cette affaire-là, là? Là, là, ça suffit? Oh là, regardez, regarde! Ça suffit, là? Non! Ça suffit, là, le chipotelage, là? Vous êtes fatiguant, ma gang des scorpions de marque de Saint-Simon! Crève! C'est clair, là? Crève! C'est le temps d'y aller, là! Bon! À la tête, j'ai dit! Fonce! Mais là! Ah ouais, tire sur ça. Ouais! Ça a marché! Ouais! Ça a-tu marché? Non, pas tout! Ils ont pas tout tombé dedans! Merde! Merde, non! Go! Pas cool! Vraiment pas cool! T'es où, toi? Ah, j'ai pas réussi. Ça a pas marché. Mais merde! Ça l'a pris. Il y en a deux qui tombent pas dedans. Ils sont peut-être en même temps. Mais ils tombent pas dedans. J'aime ça de même. C'est fun. Yeah. Ça l'a pris une merde. Enlève ça de là, pis ça de là, ça vaut pas la peine. Bon là, stratégie, j'en reviens. Voici voilà. On est retour. La différence maintenant. J'ai plié ici mon filet ici. Comme ça, ils vont les tomber sur la tête. Et je vais les tuer. Ouais. Bon. Deuxième différence, j'ai mis un piège là. Je peux pas l'enlever. Je sais pas pourquoi. Le jeu veut pas. Il m'aime pas. Le jeu m'aime pas. Ça va pas bien, hein? Ah oui, oui. Parce qu'avec le jeu m'aime peut-être un petit peu, en fait. Peut-être un petit peu. C'est pas juste lui que je l'ai enlevé, il y a aussi lui que je l'ai enlevé. Bah, on va mettre ça ici. Là. Non! Pas là! Là! Ah! Saloperie de merde de Saint... Tu fais exprès, tu me nargues? Je te... Bah! Voilà!
pas compliqué pourtant. Mais j'en ai pas mis pour lui là. Faut que j'en mette pour lui, sinon je suis dans la merde. Parce que bon, la strat. On va enlever une coupe de pièges de merde. Pour réessayer la même stratégie que la dernière fois. Mettre un tonneau, le faire sauter. Puis me pitcher sur lui au pire, c'est pas stressant. Bon, ça devrait bien aller. À l'attaque. Je m'en fous! Non! Je veux pas de coup de pouce. Je suis un grand garçon. Je vais être correct. Si je réussis pas la prochaine fois, oui, je vais en demander. Yeah.